Grâce à cette vidéo, tu obtiendras le 100% exploration et tous les coffres de la montagne Coatepec. C'est parti. En amont, il faudra regarder tout de même quelques petites vidéos pour compléter le nombre de coffres total avec ce que tu verras dans cette vidéo. Je vais te les citer et toutes ces vidéos se retrouveront directement en description. Tout d'abord, il faudra regarder la vidéo « Obtenir un coffre luxueux en 4 jours IRL ». Il y aura également la vidéo de la location des 6 fragments de roche avec graffiti. Donc ça, c'est pareil, c'est une vidéo qui te donnera 5 coffres au total. Puis la vidéo d'une zone qui te permettra d'obtenir donc cette zone là mais aussi 7 coffres au total de la nuit à la nuit. Il y aura aussi la résolution des énigmes autour d'une zone cachée, le laboratoire d'extraction qui te permettra d'obtenir 9 coffres au total. Il y aura aussi la vidéo sur le fait de débloquer une île secrète qui te permettra d'obtenir 4 coffres au total. Puis la vidéo prêt pour les ennuis qui te débloquera une zone cachée ainsi que 4 coffres. Et pour finir, une vidéo qui regroupe 10 quêtes cachées sur les traces de l'élu des dragons qui te permettra de débloquer un coffre luxueux qui malheureusement ne comptera pas dans le succès mais qui fait partie de la quête, donc c'est important de le ramasser. Voilà, avec toutes ces vidéos en complément qui se retrouveront en description, et tu auras tous les coffres de cette zone, la montagne Coatepec. Si jamais tu n'as pas le 100%, je t'invite à aller check la vidéo également sur les 108 Pyroculus en complément. Bon visionnage. On commence directement avec ce point de téléportation, juste ici. Une fois au point de TP, on va se diriger vers ces pierres avec des dessins comme tu peux le voir dessus. Il faudra bien faire attention à ces dessins puisqu'ils vont être importants pour le prochain coffre. Enfin, du moins le premier de cette montagne. Vous montez par ici et en gros, vous allez avoir un dessin ici, hein, sur ce mur-là, et aussi un dessin sur ce mur-là. On va les assembler comme ceci. Qu'à trouver l'angle parfait, on va peut-être s'avancer un peu. Voilà, nickel. Donc avancez-vous au niveau des œufs, et normalement ça devrait ensuite, une fois les dessins rassemblés, faire apparaître cette petite fée qui vient compléter ce trou. Et pour l'autre, vous allez passer par là. Hop, hop. Et donc le dessin, c'est celui-ci. Il va falloir, ben voilà, bon, ça s'est fait naturellement. Il va falloir du coup assembler ce dessin-là avec ce dessin-là. Et ensuite, eh bien, on débloque un coffre délicat. Voilà. C'était le premier. Et le premier d'une longue série, ça va être la route, enfin, du moins, la vidéo coffre, localisation coffre de cette mise à jour 5.0 la plus longue à mon avis. Il y a beaucoup plus de coffres dans les, que dans les zones précédentes. Même si, en partie, j'en ai déjà pris pas mal. Donc là, en contrebas, il y aura un petit coffre ordinaire. C'est parti. Une fois les mobs détruits, hop, on récupère les maths. Et on récupère surtout notre petit coffre ordinaire. On continue par là. Côté ouest. Et on va se diriger vers la tour là-bas. Tu peux la voir d'ici. Alors, je me suis fait attraper par une quête secondaire. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Donc, je viens de me faire interrompre par une quête. Je pense que ça a un lien avec la quête monde, l'élu des dragons. Je ne sais plus exactement le nom exact. Et dans cette quête monde, on fait 10 quêtes secondaires, dont une qui se trouve pile ici. Donc, une fois qu'on a effectué cette quête, peut-être qu'en revenant sur place, c'est grâce à ça qu'on débloque ce succès. Celui-ci, un nouvel espoir, voilà, comme une graine qui pousse, voilà, comme ça au moins vous avez l'info. Cette vidéo se retrouvera très certainement dans tous les cas en description. Donc là on continue par là, my bad pour ça, hein. Dans tous les cas je contrôle pas forcément tout. Là pour le coup on m'a obligé à faire la quête, donc on arrive ici, on va détruire les mobs, c'est parti. Une fois tous les mobs détruits, hop, on gagne le coffre précieux. Nickel. Ensuite, on grimpe au niveau de l'échelle, là. Et on va gagner un petit coffre supplémentaire, juste ici. Hop là. Tout ça, c'est pris. On récupère les maths, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Et ensuite, on se dirige
côté ouest, pour un coffre qui se trouve là. On détruit les mobs. Une fois que c'est fait, on gagne le coffre ordinaire. Ensuite, on va se TP à ce donjon. Donc le donjon au-dessus du TP qu'on a pris précédemment. On va se diriger dans ce sens. Et aller choper le prochain coffre. Les prochains coffres d'ailleurs. Il y en a deux quasiment au même endroit. Donc là, le premier, vous avez juste à détruire le mob qui se trouve face à vous. C'est parti. On détruit coffre délicat. On prend un archer et on tire sur ça. Objectif, détruire les blobs. C'est parti. Et on prend le coffre délicat. Ensuite, un coffre face à nous, côté sud. Des mobs à détruire une nouvelle fois. C'est parti. Une fois détruit, on va récupérer le coffre étrange. Ensuite, on continue dans ce sens. Donc là, il y a une fée à mettre ici. Cette fée se trouve juste là. On va devoir tuer les mobs. Voilà. Et suite à ça, on va prendre le pouvoir d'ailleurs de cette bête. Et on va eh bien, rentrer en contact de nouveau avec, avec la, la fée. De façon à chauffer. À chauffer. À choper le coffre. C'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste la fatigue. C'est le vidéo localisation de coffre m'épuise. Suite à ça, vous allez devoir faire le tour. D'ailleurs, on a ça à côté. On va directement faire ça. C'est vrai, je l'avais pas vu. Donc Manzana, bon, c'est des trucs qu'on a déjà vu auparavant avec les vidéos précédentes. Et ça a un rapport avec ces PNJ. Donc vous allez avoir un défi, entre guillemets. La plupart du temps, c'est ramasser des genres de moras. Il faut atteindre le niveau S pour avoir les 3 coffres. Donc ici, avoir 9500 points. On fait commencer, c'est parti. Donc apparemment ici... l'intérêt, ça va être de prendre ceci pour l'envoyer quelque part, j'imagine. Ok, va falloir détruire ces mobs. Donc on prend à chaque fois ces projectiles et on détruit les mobs. C'est parti. Ok, vous devriez pas avoir trop de mal à faire le score S. Hein, y a énormément de mobs à détruire. 3 coffres supplémentaires. Donc après, si vous voulez améliorer votre score, vous pouvez commencer à nouveau. Moi, ça m'intéresse pas, étant donné que j'ai déjà les 3 coffres. On va reprendre ceci. On va monter par là. D'ailleurs, j'ai eu un fragment. Ça, c'est super. Pour pouvoir avoir les... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Les élixirs sanctifiants de mémoire. Pour pouvoir craft l'artefact de notre choix. Ici. Donc là, je suis allé peut-être un peu vite. Ici, précisément, se trouvera un coffre ordinaire. On le prend. Et ensuite, nous allons aller de ce côté-là. Juste là, précisément. Où se trouvera un coffre étrange. Parfait. Ensuite, vous allez vous TP à ce point de téléportation. Et on va aller dans ce sens-là, côté sud. Donc là, c'est un endroit qu'on a déjà pu faire dans la vallée. Tecmécan. Mais lorsqu'on s'enfonce un peu dans la zone, eh bien on n'est plus donc dans la vallée, mais plutôt dans la montagne. Donc on va se diriger vers cet endroit-là. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un sanctuaire juste là. On va le prendre. Donc c'est le sanctuaire de la montagne. S'il vous manque une clé, vous pouvez en avoir de différentes façons. Soit avec les pyroculus. Personnellement, je les ai déjà utilisés dans les deux premières zones, dans le bassin et la vallée. Et sinon... Eh bien, vous pouvez choper des clés directement avec vos sceaux pyro en les disposant ici précisément, ok? Donc dans le bassin, bassin des flammes innombrables au stade du sanctifeu, juste là, ok? Suite à ça, vous faites ouvrir et là, vous chopez le coffre. Donc, je le montre à la carte, le sanctuaire de cette montagne se trouve ici précisément. On récupère le coffre luxueux, ça nous donne 80 primogèmes supplémentaires. Ça carie de ouf. Ensuite, on continue par là. Il y aura un coffre délicat, on détruit le mob.
On prend le coffre. Et on continue notre chemin. On va ensuite aller par ici. Donc là, on aura un premier coffre ici. Donc là, on va enchaîner trois coffres qui sont à proximité, dont certains vont vous plaire, je préfère vous le dire. Donc le premier, on commence tranquille. C'est un petit coffre délicat, normalement. Donc là, on prend possession de ça. On va dans le sol et on fait une auto-attaque sur ça. Et ensuite, eh bien, on doit enchaîner les auto-attaques sur ces éléments. Précisément. Au fur et à mesure. Hop là. Hop là. Et hop là. Voilà, très simple. On débloque le coffre délicat, comme j'ai dit. Hop. On récupère. Ensuite, on va aller dans un trou. Trou qui se trouve ici. Tout en bas. Au niveau de genre de rocher, je sais pas comment appeler ça. Il y a un coffre luxueux. Voilà. Celui-ci devrait vous faire plaisir. Je gagne un nouveau fragment et d'ailleurs c'est le dernier, le troisième et dernier normalement. On remonte. Et on va se diriger cette fois-ci de l'autre côté, côté sud. Pour détruire le mob. Donc là, hop, on sort de la compétence, on sort du mob. Détruire le mob qui se trouve là, de façon à obtenir un coffre précieux. C'est parti. Une fois les deux mobs détruits, coffre précieux débloqué. Ensuite, vous allez vous diriger dans ce sens, côté plage. Hop. Vous aurez un premier coffre ici. Des mobs à détruire, rien de complexe. Et des choses assez traditionnelles. C'est parti, on détruit les mobs. On récupère le coffre. On continue. Hop, on va prendre... On va rien prendre du tout. On va continuer juste tout droit. Prendre Yelan à la rigueur pour aller plus vite. Voilà. Hop. Et au bout de cette plage se trouvera également un coffre juste ici. Il va falloir détruire des mobs. Nickel. Hop. On récupère le coffre. On va se TP à ce point de téléportation. Juste au-dessus. Une fois fait, face au TP, il y aura de nouveau un coffre avec des mobs à détruire. C'est parti. On récupère le coffre. On continue dans ce sens. Là, on revient sur nos pas en direction du TP, puis ensuite du nord. Donc là, l'objectif, ça va être de récupérer une bête. Alors, il va falloir que je la trouve. Bah, juste là, voilà, nickel. Et donc, d'activer le défi. On fait une compétence dessus. On fait commencer le défi. Il va tout simplement falloir faire une compétence sur la liane ici, tout en faisant une auto-attaque dessus. Cet élément. Hop là. Donc, eux... auto-attaque, auto-attaque. Voilà. Jusqu'à obtenir le coffre. Délicat. On continue par là. On arrive dans un endroit où il va falloir détruire des mobs. C'est parti. Voilà. Ça c'est fait. Coffre ordinaire. On enchaîne sur le côté, juste ici. Nous aurons des fatus à détruire de nouveau. C'est parti, on récupère le coffre. Délicat. Ensuite, de nouveau un coffre. Alors là, plusieurs coffres d'ailleurs, pas qu'un. Donc là, on a un coffre ici, ordinaire. Avec des mobs à détruire. C'est parti. Donc ça, c'était pour le coffre ordinaire et au-dessus. Donc. Donc hop, on va grimper par là. Et on va détruire les mobs. C'est parti. Le mob détruit. Coffre. Délicat. Nickel. On va retourner en hauteur. Donc direction
Bon, là, dans un premier temps, ouest. Puis, sud. Pour aller choper un coffre qui se trouve donc un peu plus haut. Donc ici, donc là on revient un peu sur nos pas, hein. Pas d'inquiétude. Pas loin d'ailleurs du TP. Normalement par là. Voilà, juste là. Donc ici se trouvera tout simplement des dessins sur le bois. Donc là, ça nous dit que c'est en bas. C'est nickel, c'est en bas, donc on ne touche pas. Ici, il faut que ça soit en haut. Hop. Ici, il faut que ça soit en haut. Hop. Et ici, il faut que ça soit en bas. Hop. Et on débloque le coffre. Parfait. Ensuite, on continue dans ce sens côté sud-ouest. Vers la ruine. Juste là. Hop. On va prendre ce pouvoir. On va faire une auto-attaque sur ça. Tirer avec la compétence. Afin de libérer la bestiole. Enfin, la bestiole, le petit bonhomme l'a fait. Une fois que ça s'est fait, justement. Cette dernière va se positionner ici. Et nous permettre d'obtenir le coffre. Coffre ordinaire. On continue. Nous allons nous diriger cette fois-ci en contrebas. Juste là. Des mains à détruire. C'est parti. Il faut les mains détruites. Hop, on récupère le coffre. On va reprendre la bête pour aller plus vite. Et se diriger dans ce sens. Donc là, côté nord. Hop. On arrive dans une zone précise. Où il va falloir détruire les mobs. Donc là, on va sortir de la bestiole. On va détruire ce blob. D'autres blobs apparaissent. C'est parti, on les détruit. Et pour finir, un gros mob en plein milieu. Et une fois détruit, on débloque un gros coffre précieux. Parfait. Ensuite, on continue dans ce sens, donc côté ouest. Et le prochain coffre. Sera juste après ces montagnes sur la droite. Par ici. Hop, on va prendre Dylan pour aller plus vite. Juste là. Voilà. Ici, précisément, des mobs à détruire. C'est parti. Bon, au final, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Que ce soit Mayelen ou même les mobs, tout le monde y est passé. Donc là, hop! Coffre ordinaire, nickel. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation, juste là, au temple ancestral. Donc, il faut savoir que dans cette zone, j'ai récupéré quand même pas mal de coffres déjà. En l'occurrence, 7 au total à travers la vidéo de la nuit à la nuit. C'est une quête secondaire que l'on proc dans cette zone précise. Et donc, ça va te permettre de débloquer 7 coffres. Il y en a 2 que je n'ai pas pris. Enfin, un que je n'ai pas pris et un que j'ai pris mais que je n'ai pas montré dans la vidéo. Donc le premier se trouve au niveau du point de TP, juste au-dessus, ici. D'accord. Hop, vous avez à faire ça, tac, vous grimpez et GG à vous. Coffre précieux. Voilà, assez simple. Et le second se trouve tout en bas. En gros, une fois que vous avez proc la quête, vous allez avoir ce PNJ là, qui va ou un autre. Je ne sais plus comment ça se passe. Mais en gros, vous allez devoir parler à un PNJ qui se trouve ici. OK. Et il y aura un coffre juste derrière lui. Un coffre précieux. Suite à ça, vous le ramassez. Et GG à vous, ça vous fait un coffre supplémentaire. Ensuite, vous allez vous TP à ce donjon, juste ici. Donc là, on va aller dans une zone que j'ai déjà traitée en amont dans une vidéo spécifique à ce sujet concernant le laboratoire. Donc dès qu'on sera dans la zone, je te montrerai ça directement à la map. Donc dans cette vidéo, je prends 9 coffres au total. En tous les cas, j'en ai déjà parlé au début de cette dernière. Et elle se retrouvera en description. Ok? Sauf que j'ai oublié 2 coffres. Et donc on va voir ensemble ces 2 coffres dans cette vidéo. En plus, c'est un coffre précieux pour le coup, et l'autre, bon, délicat, un peu moins important, mais ça reste quand même un coffre. Donc, on va aller choper celui-ci aussi. Donc, là, on va tout en bas.
On va prendre le pouvoir. Hop là. Et on va se diriger dans ce sens. Donc par ici. Hop. Je vais mettre un petit coup de grappin là. Petit coup de grappin ici. Nickel. On va monter par là. Et on va arriver donc ici. Bon, j'aurais pu prendre directement le TP qui est là. Ça aurait été bien plus vite. Mais au moins, vous avez de quoi rentrer dans la grotte. Donc la grotte, c'est celle-ci. Ce qu'ils appellent donc le laboratoire d'extraction. Site expérimental. Ok. On va dans un premier temps aller choper le coffre délicat qui se trouve ici. Voilà, que j'avais oublié. Et l'autre coffre qui se trouve tout là-haut. Alors, pour y aller, on va avoir besoin de la bestiole, hein, très clairement. D'ailleurs, on aurait quasiment pu y aller comme ça, hein, c'est dommage. Donc, on va passer par derrière, comme ceci. Là, je me brûle, donc c'est pas bon. Mais si on met un petit coup de grappin, donc, je dirais, dans ce sens, puis dans ce sens... Et que derrière, on attend que ça se reset pour remettre un coup de grappin. Eh bien, nous arrivons tout là-haut. Et il y a donc un coffre précieux. Voilà. Qui se trouve ici, précisément. Ensuite, vous allez vous TP de nouveau à ce point de téléportation. Ici. C'est parti. Cette fois-ci, on va aller donc dans cette direction de façon à faire le défi. On prend possession de ça. On active le défi. Et c'est parti, il faudrait récupérer 30 particules, enfin 8 particules en 30 secondes, pardon. Voilà, aussi simple que ça. Et on récupère. On continue tout droit. Nous aurons donc des mobs à détruire ici. Prenez votre meilleur archer ou n'importe quel autre perso. Le but c'est de détruire le blob ici, dans un premier temps. Ah bah c'est plus dur que ce que j'imaginais finalement. Et ensuite tuer tous les blobs ici. Voilà, parfait. Ensuite, on reprend le même pouvoir. On va se diriger ici. Vous allez prendre... Bon, en soi, vous allez rien prendre du tout. Vous allez prendre un personnage pyro. Tapez sur ça. Puis, tapez sur ça. Et pour finir, tapez sur ça. Ça vous ouvre le coffre. Nickel. Ensuite, on reprend... On va se diriger dans ce sens-là, de façon à aller choper la petite fille qui se trouve par là, là, on la voit d'ici. Donc côté nord-ouest, on prend le grappin. On rentre en interaction avec elle, il faut infuser. Hop, nickel, on continue. Par là ensuite. Et tout là-haut, elle va arriver naturellement. Voilà. Ce qui va ensuite nous permettre de gagner un coffre supplémentaire, puisque cette dernière va se terminer, enfin va terminer sa course ici. Et on va pouvoir donc débloquer un coffre ordinaire. Parfait. Ensuite, on rentre dans cette grotte. Donc là, on aura plusieurs coffres. C'est ça qui est bon. On va sortir de la bête. Et on va, dans un premier temps, détruire ce mob. C'est parti. Coffre délicat. Parfait. Ensuite, on va prendre possession de ça. On va passer par là. Puis, hop, marcher jusqu'à ceci. Vous allez taper une fois dessus. Puis vous allez marcher jusqu'à ceci. Vous allez taper une fois dessus. Et on est bon. Suite à ça, nous allons nous diriger vers la boule juste là. La prendre avec une compétence. Et taper, enfin du moins envoyer la boule ici. Donc là, ça va la propulser vers le truc vert qu'on voit pas qui est derrière le mur et vers la cible qu'on voit pas qui est derrière le mur. GG à nous, ça nous ouvre quelque chose, ça nous sera utile d'ailleurs.
Et donc, surtout, ça nous débloque un coffre qui est tout là-haut. Donc là, on va prendre le grappin ici. Et, ah, d'un coup. Alors, on va recommencer. Hop. On va d'abord prendre ce coffre, donc celui qu'on vient de débloquer en ayant résolu l'énigme. Et ensuite, vous prenez le grappin juste là. Et le grappin tout là-haut qui vient d'être débloqué. Tout là-haut se trouvera donc un coffre précieux. Ensuite, vous allez prendre le grappin en face. Il faudra actionner ceci. Ça nous ouvre le passage. Et ensuite, eh bien, vous prenez ceci. Et vous allez l'envoyer sur le mur, juste là, avec une compétence. Hop! Puis vous grappinez jusqu'à. Et GG à nous, on aura un coffre étrange. Ensuite, vous allez vous TP à ce point de téléportation. Une fois au point, on peut voir qu'il y a différents coffres. Un premier face à nous, des blobs, enfin des blobs, des brutaux à tuer. Hop là, rapide, efficace. Coffre ordinaire. On enchaîne. Cette fois-ci, direction sud, auprès de ce mob qu'il faudra détruire également. Hop, fois fait, coffre délicat. Et ensuite, on se dirige dans ce sens-là. Au niveau du genre de camp, là, juste là. Et nous aurons donc un mob à détruire, encore une fois. Et une fois détruit, coffre délicat. On continue tout droit. On va, dans un premier temps, aller tout en bas. Nous aurons donc un coffre juste ici. Hop là. En l'ouvrant, ça nous donne un petit courant d'air qui va nous servir à choper le coffre qui se trouve ici. Donc là, vous prenez votre meilleur archer. On va détruire ce blob, puis ces trois blobs ici, ici et ici pour avoir un coffre ordinaire encore et un courant d'air. Et ensuite, on se dirige vers le défi. On prend possession de la bête, on active le défi. On doit ramasser 9 particules en 60 secondes. C'est parti dans cette direction. Une fois les particules prises, vous avez donc le coffre délicat juste ici. Ensuite, on va tout en bas, donc côté sud, pour aller choper le coffre délicat qui se trouve ici. Des mobs à détruire, c'est parti. Hop là, coffre délicat. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation. On va choper un coffre que j'ai déjà pris, personnellement, mais que je n'ai pas montré dans une vidéo. Donc le coffre en question se trouve ici. Voilà. Vous tuez les mobs, vous avez un coffre. Aussi simple que ça, on va pas perdre plus de temps. Ensuite, on va se diriger vers côté sud. Et vous aurez un coffre juste ici. On détruit les mobs, c'est parti. Une fois les mobs détruits, nous avons le coffre. Nickel. Ensuite, on va se diriger à ce point de téléportation. Donc ici précisément, je vais vous remontrer. Peut-être que je suis allé un peu trop vite. Juste là. Voilà. On va aller en arrière. Donc côté nord. Nord-ouest même. Et nous allons rentrer dans ce camp. Donc, au niveau de ce camp, vous avez un premier coffre qui se trouve tout en bas. Là, je regarde quand même s'il n'y en a pas d'autres aux alentours. Il y en a un là-bas qu'on ira chercher après, c'est pas grave. Donc, celui tout en bas se trouve à ce niveau-là. Ok, je vais vous remontrer à la map, juste ici en fait. Donc là, vous descendez par ici. D'accord. Et le coffre se trouve en dessous, juste là. Très bien. Côté ouest. Hop, on fait attention de ne pas tomber. Et on va aller choper le coffre ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper le coffre qui se trouve en dessous. Ici, précisément. Hop. Mettez un petit coup de liane. À deux reprises. Et vous chopez le coffre. Délicat.
Ensuite, nous allons aller eh bien, de ce côté-là. Tac, petit coup de grappin. Ici. Ensuite, ici. On grimpe à deux reprises. Et donc, on arrive ici. C'est parfait. On a un grappin tout là-haut, là, vert. On va pouvoir prendre. Et le coffre se trouve là. On l'avait vu juste avant. Parfait. Ensuite, vous vous retournez et le but, ça va être de rejoindre cette partie-là. Donc, coup de grappin là, coup de grappin ici, puis ici, encore ici, et pour terminer ici. L'offre délicat. Parfait. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation, juste ici. Une fois au point de téléportation, on va donc se diriger dans ce sens-là cette fois-ci. Et on va tuer les deux mobs qui se trouvent là. Vous savez quoi? On va prendre de la distance et on va faire un petit coup de flèche. Ah ouais, ils se sont... ils se sont tués tout seuls, les teuteux. Très bien. Bon, bah, nickel, on gagne du temps du coup. Parfait. Ensuite, on passe par là. On va se transformer en ça. Examiner ceci. Et c'est un défi. Donc là, comme la majorité des défis, il faut récupérer ces éléments-là et avoir un certain niveau de rang pour obtenir les coffres. En l'occurrence, ici, je crois 2. Une fois le défi terminé, on se fait TP et on gagne donc les deux coffres. Il faut avoir le niveau A. Pas B, A. Ensuite, on reprend possession de ça. On va pas refaire le défi, hein. Ça suffit pour aujourd'hui. Par contre, on va taper sur ça. Il y a des particules à récupérer. 8 en 40 secondes, c'est parti. Hop là, on récupère le coffre ordinaire. Nickel. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation. On ne va pas perdre de temps. Et on va se diriger donc dans ce sens-là. Pas loin de ce courant d'air finalement. Bon, pour le coup, un courant d'air qui vous permettra d'avoir un coffre, mais ça c'est dans la vidéo des gravures de roches avec graffiti, si je dis pas de bêtises. Donc une vidéo dont j'ai parlé en début de vidéo. Ici, des mobs à détruire. Et une fois détruit, on gagne le coffre délicat. Ah, je meurs. Super. Très bien. Ensuite, en contrebas, ici. Un mob à détruire, c'est parti. Une fois détruit, coffre délicat. Ensuite, on regrimpe par ici. Et nous irons donc tout en bas, dans cette direction. Donc juste là. De façon à détruire les minerais. C'est parti. Donc là, ce qu'on fait, juste on détruit. Et derrière ça se trouve un mob. On le détruit aussi. Et une fois détruit, on gagne le coffre délicat. Ensuite, tu vas te TP à ce point de téléportation, juste ici. Une fois au point de TP, derrière, donc direction nord, se trouvera un petit coffre, juste là. Mob à détruire, c'est parti. Une fois détruit. On récupère le coffre, délicat. On enchaîne. On va ensuite se diriger vers alors un coffre qui se trouve dans ce sens. Je l'ai zappé. Donc au niveau de l'alpaga, au-dessus, my bad. Hop là, juste ici. Voilà, ici. J'avais oublié. Veuillez m'excuser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va taper sur ceci et taper sur ceci et on gagne le coffre. Aussi simple que ça. Ensuite, on revient sur nos pas, du coup, et on va aller en direction de ce camp. Alors, il faut savoir que sur ce camp-là, il y avait une quête cachée. Il faut dans un premier temps effectuer cette quête. Je sais plus si on débloque un coffre ou non à travers cette quête. Il me semble que non.
Mais dans tous les cas, il faut terminer cette quête pour ensuite débloquer le coffre qui se trouve ici. Donc voilà, la quête secondaire se trouvera là. Vous trouverez un genre de piaf là, moitié mort. Un dialogue se lancera et puis vous aurez directement la quête. Ok, donc ça fait partie de la quête monde. L'élu des dragons, je ne me rappelle plus exactement du nom exact. Mais ça sera important de l'effectuer. Ok, donc dans la quête monde, il y a 10 quêtes cachées au total. Voilà, j'ai tout traité dans une seule et même vidéo. Coffre étrange en tuant les mobs, parfait. Ensuite, on va direction est. Par ici, on va grimper, puis par ici, hop. Voilà, nickel. Nous aurons donc une petite fée qui se trouvera ici. Précisément. On interagit avec elle en faisant infuser. Elle va avoir peur de quelque chose. Elle va retourner en arrière. Ok. Et normalement, il devrait apparaître des mobs en faisant examiner. Voilà. C'est parti. On les détruit. Une fois détruit, on retourne voir la petite fée. Et elle va se déplacer naturellement vers le mur pour nous permettre de choper le coffre. Voilà, coffre délicat. On continue dans cette direction. Donc là, il y aura un double coffre ici, un que j'ai déjà pris, et un autre, donc celui avec les graffitis. Voilà, c'est en rapport avec la quête des gravures de roches avec graffitis. Et puis il y a également ce coffre en tuant les mobs, aussi simple que ça, rien de complexe. Et ensuite, on gagne donc le coffre délicat. Hop. On continue. On va grimper par ici. Voilà. Hop là. Tac. Et face à nous, côté nord-est, se trouvera un petit défi. Donc, pour effectuer ce dernier, on va se diriger dans ce sens, prendre le pouvoir de ceci. Et utiliser les grappins. Un ici, un ici, un ici. Et GG à nous, on a le coffre. Très bien, on retourne au même endroit. Donc direction... direction qu'on s'appelle défi. Nord-est. Et il y aura un PNJ juste là. On va parler avec lui, encore une fois. Ce sera la même chose que précédemment. En parlant avec lui, on va pouvoir commencer un défi où il va falloir soit récupérer des moras, soit tuer des mobs. Ça dépendra des PNJ. Mais là, en l'occurrence, il faut choper les jetons de défi. Il faut atteindre un niveau de rang S pour obtenir les trois coffres. Donc 12 000 points. C'est parti, on fait commencer. On va prendre le pouvoir juste ici. Tac. Et on est parti. Une fois le défi terminé, on retourne au niveau du PNJ et directement trois coffres s'offrent à nous. Nickel. Ensuite, vous allez vous TP à ce point de téléportation. Donc encore une fois, un TP qu'on a pris à maintes reprises, mais cette fois-ci, au lieu d'aller là ou là, eh bien, on va aller en arrière. En arrière se trouvera un coffre en dessous, donc en tuant des brutaux. C'est parti. Une fois détruit. Coffre délicat. Avec beaucoup de baies de quenetier, nickel. Ensuite, on va avant tout se diriger vers ce PNJ. Toujours pareil, la même chose. Il faut parler avec lui. On fait commençons. Il va falloir récupérer les jetons de défi et avoir le rang S. Donc 9 000 points. C'est parti. On s'incarne en cette bête et on suit. C'est parti. Nous gagnons un succès. Donc là, je pense que le succès que j'ai gagné, c'est le fait d'avoir fait tous les défis autour de ces PNJ. Voilà, quelle que soit la mini-zone. Hein, donc, que ce soit cette zone-là, ou cette zone-là, ou encore cette zone-là, j'ai parlé à tous les PNJ existants et donc j'ai gagné le succès en question. On gagne trois coffres. Une nouvelle fois, précieux, délicat, ordinaire. Ensuite, on va aller dans cette direction. Donc,
Hop, on prend possession de ça. On va aller vers la petite fée qui se trouve ici. Hop. Voilà, elle bouge. Ensuite, on va aller là-haut. Nickel. Elle va se poser contre le mur ici. Ensuite, on va aller en bas. On va tout simplement faire une compétence. Puis, on va prendre ceci. Alors, il y a un combat, mais je ne sais pas d'où. Mais très bien. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Tac. Voilà. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire non plus. Donc, vous faites compétence, compétence F sur ça. En gros, il faut prendre ce petit, petit objet là qu'il faut ensuite disposer ici en faisant de nouveau F, le grappin détachable. Voilà. Et ensuite, compétence. Parfait. On fait activer. Et on va grimper tout là-haut. Afin de mettre la deuxième et troisième fée sur le mur. Ce qui va nous permettre d'obtenir alors ceci. Très bien, qu'on va infuser. Et donc, gagner un coffre précieux. Parfait. Et on retourne en arrière. Au niveau de ces ruines. Donc là, vous prenez cet élément juste ici. En faisant... Alors, je crois qu'on fait d'abord une compétence, my bad. Ensuite... Ah bon, ensuite, rien du tout. Voilà. Ensuite, bah, juste, vous prenez le coffre, en fait. Voilà. Ensuite, on continue. Dans cette direction, il va falloir détruire des mobs. C'est parti. Ça, hop, comme délicat. Puis, on va aller en contrebas. Ici, coffre ordinaire. Vous prenez le contrôle de la bête. Vous allez devoir... Alors, en gros, on va devoir monter par là. Et voilà, se diriger vers les torches, juste là. Vous avez des torches. Vous allez devoir les allumer. Vous faites une compétence sur ça et vous renvoyez sur ça. Nickel. On en a une aussi face à nous. Donc là, pareil, vous prenez ça et vous l'envoyez sur ça. Parfait. On enchaîne de l'autre côté. Juste ici. Donc pareil, la même chose. Compétence. Et vous envoyez sur ça. Puis, tout là-haut. Donc là, on va faire une compétence directement sur ça. Puis faire ça et hop, compétence sur ça, coffre précieux. On continue, on va se diriger tout là-haut vers la petite fée qui nous attend, bien évidemment. Donc là, on rentre en contact avec elle, tout en bas, normalement, elle devrait... arriver. Ouais, tout va bien. C'est bon, elle arrive. Petit coffre ici. Coffre ordinaire. Puis, un peu plus bas. Pareil. Vous faites une compétence sur ça. Vous l'envoyez sur le mur. Et la petite fée va pouvoir y aller. Nickel. On va direction sud. Au niveau du point d'eau qu'on peut voir... Ici, vous faites une compétence sur ça, puis une auto-attaque, vous prenez le contrôle de votre personnage, et vous chopez le coffre. Hop, coffre ordinaire. Ensuite, on se TP à ce point de téléportation, donc le même que depuis tout à l'heure. On va aller dans ce sens, pardon, côté est. Pour eh bien commencer un genre de défi. Le défi en question est tout simplement de toucher la particule et de ramasser les suivantes. Donc là, tac. Vous arrivez par là, vous touchez la particule et ça y est, ça commence.
Vous en aurez 6 au total. Voilà. Coffre ordinaire. Puis on va sauter par là. Voilà. On va sauter par là, mais c'était pas là totalement où je voulais aller. C'est pas très grave. Bon. On va regrimper par là donc. C'est pas grave. J'avais plus d'endurance. Je m'en étais pas aperçu. Donc là, tac, par ici. Puis, eh bien, on va devoir regrimper à nouveau. D'ailleurs, on peut examiner ça. Ça peut faire toujours des pourcentages supplémentaires. Donc, par là. Hop. Si j'y arrive. Voilà. On va y arriver, hein, les amis, vous inquiétez pas. Et le tas de roches est juste là, bien caché. Étant donné qu'on a galéré pour le trouver, je vais vous le remontrer à la map. Ici, précisément. Ok? Zongli. Compétence. Et on prend le coffre ordinaire. Parfait. Vous allez vous TP à ce point de téléportation. Prendre possession de ceci. Commencer le défi. Le but, ça va être de mettre un petit coup de grappin. Et de détruire les cibles avec une auto-attaque. Comme ceci. Grappin. Auto-attaque. Grappin. Auto-attaque. Coffre. Voilà. On le prend. Et on retourne en arrière. Dans cette direction, on peut voir le coffre scellé tout au bout. C'est parti. D'ailleurs, à mon avis, on ira bien plus vite avec un personnage tel que Yelan. Voilà. On arrive donc à destination. On détruit les deux mobs, c'est parti. Super. Hop, on récupère tous les mats et on chope le coffre. Ensuite, on va aller en face, au niveau de la petite île. Il y aura une bête qu'il va falloir incarner. C'était limite sur l'endurance, on a failli se noyer. Hop. Et tout simplement commencer le défi. Pour ce faire, eh bien, alors, apparemment, on est directement envoyé ici. Il va falloir récupérer les particules et taper sur les cibles. Facile, c'est parti. Et une fois le défi terminé, deux coffres s'offrent à nous. Délicat et précieux. Ensuite, on va prendre directement son pouvoir à nouveau pour traverser et donc arriver à l'autre bout là-bas. Ça ira beaucoup plus vite. On va devoir détruire des mobs. C'est parti. Une fois les mobs détruits, on récupère le coffre délicat. Ensuite, on va taper à une reprise sur ça. On peut taper avec juste un archer, j'imagine. C'est possible. Hein. Oui, bon, c'est possible. Bon, là, vous pouvez taper avec un archer, c'est faisable. Voilà, et vous gagnez quand même le coffre. Pas besoin d'avoir la petite bête. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation souterrain, dans cette zone précisément. Donc ça, c'est une zone que l'on obtient à travers la quête prêt pour les ennuis. Si jamais tu n'as toujours pas vu cette vidéo, dans tous les cas, j'en ai parlé en début, elle se retrouvera en description. Ok? Une fois au point de TP, bon déjà, vous pouvez prendre ceci. Ça vous sera toujours des pourcentages en plus potentiellement. Et on va se diriger vers, du coup, ceci. De façon à aller chercher le coffre qui se trouve là. On peut le voir d'ici. Donc là, hop, vous prenez le pouvoir. Très bien. Vous grappinez ici. Et vous grappinez là. Coffre délicat. On enchaîne dans cette direction. Hop là. Donc par ici, vous aurez un... Hop, juste là. Un premier coffre à cet endroit. Donc des blobs hydro à détruire. Voilà. Vous connaissez la chanson. C'est parti, on les tue. Une fois détruits, on récupère le coffre délicat. On continue. Cette fois-ci, on va se diriger dans ce sens. On va nager. Et dessous se trouvera un coffre délicat bien caché. Puis, on va par là. Et
on va utiliser cet onglet pour casser le tas de roches et avoir le coffre ordinaire. Nickel. Ensuite, on continue notre route. On va se diriger côté sud, par ici. Donc là, vous prenez possession de ceci. Là, il y a plein de coffres que j'ai déjà pris. Donc, il faudra regarder la vidéo en question. Pour pouvoir, du coup, enchaîner. Mais deux coffres que je n'ai pas pris et qu'on va prendre ici. Donc là, déjà, on peut examiner ceci. Encore une fois, sait-on jamais. Ça peut toujours être des pourcentages en plus, même si je pense que sur cette zone-là, vu le nombre de coffres, on n'aura pas de problème avec le 100%. Donc là, on va se diriger en face. Donc, il y aura des coffres ici, hein. Ok. Un là, bref. On s'en fout dans cette vidéo, puisque on l'a déjà fait. On va se diriger dans ce sens. Ok. Puis, dans ce sens-là. Donc là, pareil, il y aura un coffre. Il faudra tuer les blobs. Et donc, en passant par là, vous aurez moyen d'escalader par ici. Voilà. Et de grappiner jusqu'à là. Et ici se trouvera un coffre luxueux. Pour le coup, celui-ci est très bien caché. GG au Yoverse. Et on enchaîne donc, puisqu'on n'a pas totalement fini sur cette zone. Hein. Décidément, cette zone-là est remplie de coffres. Donc là, ici se trouvera la zone de lave. On va majoritairement skipper. Hein. Hop, on arrive par là, tac, nickel. Et puis, ensuite, on grappine à fond. Voilà, voilà, nickel. On arrive à destination. Il se trouvera un petit coffre délicat, juste ici. Parfait. Ensuite, on va stepper donc à ce donjon. On peut voir d'ailleurs, si vous avez eu le coup d'œil, que j'ai déjà le 100%. On n'a pas totalement tous les coffres. Donc là, on va par ici, au niveau de la cascade, sur la map. Donc côté nord-ouest. On aura donc une entrée qu'on a déjà prise. À une reprise, normalement durant une vidéo. C'était concernant la localisation des légendes locales. Donc on va arriver dans une genre de grotte. Et eh bien vous allez me suivre. On va prendre possession de ceci, compétences. Et continuer dans ce sens, tac, nickel, on arrive là, il faudra détruire pardon, des mobs, juste ici, oh, je suis en train de perdre tous mes points de vie, donc voilà, juste ici, il faudra détruire des mobs, on gagnera, eh bien, un coffre délicat, et ensuite, on enchaînera par ici, tac, pour choper l'autre coffre en faisant entrer par ici qui se trouvera juste là, voilà, ici précisément. Ensuite vous allez vous TP à ce point de téléportation souterrain. Une fois au TP, vous allez aller dans ce sens, donc côté ouest, pour aller choper un coffre précieux juste là, voilà. Nickel. Ensuite, on se re-TP au même point de TP. On va repartir dans le même sens. Mais cette fois-ci, de façon à faire le défi qui se trouve juste ici. Donc vous prenez le pouvoir sur le côté droit. Je pense que ça sera utile à mon avis. On va tester dans tous les cas. Et arriver là, hop. Le but étant de récupérer les particules. Il y en a 8 au total, c'est parti. Voilà. Très facile, coffre ordinaire. Ensuite, on va continuer. Alors, pas dans ce sens, mais plutôt dans ce sens, côté nord. C'est pas ce que je voulais faire. Tac. Voilà, on va aller en haut. Il y aura un tas de roches ici. Vous prenez ça et hop. Vous envoyez ça dans le tas de roches, coffre ordinaire. Et ensuite, dans ce sens-là, un coffre pardon, étrange. Donc là, vous avez juste à prendre ça et l'envoyer dessus. Et hop, ça le déverrouille. Nickel. Et ensuite, vous irez donc tout là-haut
avec un petit coup de grappin. Hop là, comme ceci. Et il y aura un coffre ordinaire. Nickel. Mais écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo coffre. Nous allons aller dans succès. Nous en avons eu plusieurs hein, durant cette vidéo. Donc celui-ci, 5 primogèmes, oiseau marin de midi, 5 primogèmes. On a également oasis sous les rayons de lune. Hop, ça c'est nickel. Et tout en bas, dans Natlan, débloquer tous les sanctuaires, blablabla, 10 primogèmes. On a eu également, suivez les 32 Montus, je sais plus comment ça se dit, 20 primogèmes. Les 320 coffres, donc là on a eu 20 primogèmes également. Et terminer les 12 défis, 20 primogèmes. Nous avons au total 407 coffres et c'est totalement normal. Je sais qu'il y a 408 coffres, mais dans les 408 coffres, il y en a un qui ne compte pas dans ce succès. C'est pour ça qu'il y a donc marqué 407 si vous arrivez au bout de cette vidéo et que vous avez chopé tous les coffres que j'ai montrés depuis le début de chaque mini-zone. Ok ? Donc c'est totalement normal. Et le coffre qui ne compte pas dans le succès, c'est celui-ci. C'est un coffre luxueux que j'ai chopé dans la quête monde sur les traces de l'élu du dragon ou des dragons, je ne m'en rappelle plus. Et on débloque donc un coffre luxueux que notre petit bonhomme là, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, moi je l'ai appelé Gros Bidou, bref, celui que vous pouvez renommer au début et qui est lié au quête monde, va chercher directement et nous ramène. On l'ouvre, mais au final on n'a aucune récompense. Et donc ça reste tout de même un coffre, mais il ne compte pas dans le succès. Donc c'est pour ça que vous verrez un peu partout qu'il y a marqué 408 coffres au total, ce qui est réel, mais dans le succès, vous ne verrez que 4. Donc pas d'inquiétude, nous avons eu tous les coffres. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. Comme tu as pu le voir, eh bien, nous avons le 100% de la montagne Coatepec. Donc tout va bien, c'est nickel. Et nous avons surtout tous les coffres de cette mise à jour 5.0 avec les autres vidéos coffres des sources, du bassin et de la vallée. En complément, vous n'avez toujours pas le 100%, n'hésitez pas à aller check la vidéo des Pyroculus, les 108 au total. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. N'hésite pas à t'abonner, ça soutiendra énormément et ça te permettra aussi de ne pas louper les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur Twitch ainsi que sur TikTok, les deux liens seront en description. Je vous souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 5.0 et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!